Le quatrième épisode de LH Plage, la page été de la rédaction qui nous emmène chaque jour à la plage du Havre. Ce soir, la glisse est à l'honneur, que ce soit au skatepark, en voilier ou sur un surf. C'est parti. La plage, terrain de jeu des amateurs de sensations fortes. Sur le sable, le béton ou l'eau, le Havre est devenu un spot de glisse. Leur adrénaline à eux, c'est la voile. Tous les jeudis soirs, les clubs de voile se donnent rendez-vous pour 2 heures de course en mer. Une régate ouverte à tous, débutants comme confirmé. Il y a un petit peu de compétition, oui, bah c'est pour ça qu'on est là aussi. On navigue et en plus on a le petit côté, faut prendre le départ. On a les montres sur le chrono, on écoute et puis on s'amuse. Voilà, oui quand même, la mono. Au programme, bonne humeur et fair play. L'objectif n'est pas de gagner, mais de prendre plaisir à naviguer. Le renvoi, c'est simple, il suffit d'enlever le nœud 8 et de le repasser dans le bon trou. Camille est monitrice. Elle encadre ce soir 2 équipages, des apprentis skippers pour qui la régate est un bon exercice pratique. Un mini problème technique réglé rapidement par Marjo et là c'est bon, on est parti. À nous au mauvais endroit. C'est du partage en fait, c'est pas des cours en tant que tel, puisque moi je les forme pas hein. Sur les régates du jeudi, je suis là pour les aider à rentrer et sortir. Le reste du temps, c'est eux qui s'apprennent entre eux en fait. Faire face aux galères, affronter les éléments, dans l'adversité, ils se sont rapprochés. L'esprit de ces régates, c'est plus vraiment de la convivialité. Comme par exemple ce soir, il y a un barbecue où tout le monde est convié. Donc c'est vraiment se retrouver le soir après le boulot. D'année en année, le Havre s'impose comme une terre de nautisme. Une série proposée par Bénédicte Drouet, Danilo Comodi.